Bon, j'espère que vous êtes en forme. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes nombreux dans le chat. Enfin oui, dans le chat, mais dans le stream, je veux dire. Bah au boulot, c'est masque, gants en plastique, confinement, pas très amusant. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Allez! Blague à part, j'ai regardé quelques vidéos sur la démo de FF7 Remake et j'ai tellement hâte d'en voir. Moi je vous le dis, hein, je l'ai dit et je vous le redis. Dès que je reçois le jeu, le soir même, je vous fais un stream sur le début du jeu. Hein. Je vous ferai peut-être pas tout le jeu, on verra, je me suis pas décidé. J'en discutais avec Pifouf parce que je sais qu'il est un peu du même avis que moi là-dessus. C'est que c'est un jeu que j'attends depuis tellement longtemps que j'ai envie de le faire à ma sauce. J'ai vraiment envie d'en profiter comme je veux, d'y jouer quand je veux, etc. Chose que je ne peux pas faire si je vous fais tout le jeu en stream. Mais d'un autre côté, enfin, si je veux un tant soit peu profiter du confinement et du fait que ça va me rapporter des abonnés, ça va relancer un peu l'activité de ma chaîne, il faudrait que je le fasse tous les soirs en stream, vous voyez. Donc clairement, je sais pas encore quoi faire, je me suis pas décidé. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le début, le début du jeu, je vous le fais en stream, ça c'est sûr. Bon, alors, les ruines. Par là, j'imagine. On va se concentrer un petit peu sur le jeu quand même. Je vais pas me passer mon temps à regarder tout le chat. Alors, Colette. Venue d'ailleurs. Voir quoi? La chasse au loup de la lande. La messagère courait sur la route sinueuse et atteignit le souffle court, le bastion des chasseurs, à qui, désespérée, elle demanda secours. Améridien, en peau de dragon, Aran en armure bénie d'acier s'approchèrent pour entendre la messagère essouffler. Sur la lande solitaire pleura la messagère, un autre... Pff, ouais, bon, bref, allez, écoutez. Si vous voulez, vous mettez pause. Ah, The Last of Us Part 2, clairement, ouais. Je suis d'accord avec toi, clairement, ça va être un... C'est aussi un jeu que j'attends. En fait, tu pourrais faire deux sauvegardes à FF7 Remake. Une pour le stream et une autre où tu joues de ton côté. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Omicron, mais le problème en faisant ça, c'est que vous n'aurez pas, si vous voulez, le... Enfin, vous n'aurez pas mes réactions en direct, ce sera peut-être un peu moins naturel, parce que si par exemple je fais un passage, que je le découvre à midi, et que le soir je le redécouvre, enfin je le refais en stream, enfin je sais pas, mais c'est... En vrai, j'ai même pas pensé, je garde l'idée en tête. Je garde clairement l'idée en tête au micro, parce que c'est pas con. Inquisiteur, j'allais vous prévenir, j'ai trouvé quelque chose. Et pourquoi tu as l'épée à la main? On la distingue à peine, mais elle dit... Périr. Un triomphe, notre triomphe. Une trêve en plein combat en mémoire des Batériens, digne de la faveur de Notre-Dame. Les marques et les artefacts qui l'entourent datent de l'époque d'Améridan. Les références et l'écriture laissent penser à des Alvars. Ok. Poursuivez. Quelle est votre théorie? Il faudrait que je mène une étude complète et que je demande au professeur Kenrick d'examiner lui-même le site. Mais il pourrait s'agir d'un hommage à Aron et Orina, les compagnons de l'inquisiteur Améridan. Qu'est-ce qui vous dit que cette inscription fait référence à Aron et Orina? Ce n'est qu'une théorie, mais la date des marques et des artefacts qui les entourent correspondent à la chronologie qu'on a établie concernant Améridan. On sait qu'Améridan et ses camarades... Oui, Rotor, il est long le jeu. J'ai trouvé des fragments de verre dans la terre, dont plusieurs avec des veines décolorées. Des Templiers? L'ordre en était à ses balbutiements à l'époque d'Améridan. Et vu leur petit nombre, ils n'auraient pas dépassé les limites de la chanterie. Il aurait été peu probable d'en trouver un sur des terres si éloignées. À moins qu'il ait voyagé dans un but précis, ce qui aurait été le cas d'Aron. De toute façon, Omicron, je vais te dire, avant de me décider, il faudra déjà que je voie la qualité quand je ferai le premier stream. Parce que tu vois, par exemple, un truc tout bête, je l'aurais fait en let's play, FF7 Remake, je vous aurais mis du 1080p 60fps. Clairement, parce que le jeu, il est en 60fps pour la qualité, la fluidité, tout ce que tu veux. Mais là, je ne sais pas si je peux stream en 60fps, si là, avec la 4G box, ça tient le coup, parce que j'ai jamais essayé. Mais je sais, par exemple, que si je stream en 60fps, je perds la moitié de mes viewers, parce que ce sera trop gourmand en termes de bande passante pour leur connexion. Tu vois, donc déjà rien que ça, faut que je vois si il n'y a pas de problème en streamant.
Et après, on verra. Salut Xavier, ça va très bien. Je te Quel est le remercie cœur et de ces toi? informations? Je dois rapporter des notes détaillées sur la zone, des prélèvements de pierres et de terre et tout artefact qui aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Si j'arrive à reconstituer l'histoire d'Améridan, ça pourrait faire l'objet d'un chapitre entier. Oh, ne t'inquiète pas, Jonathan, ça risque pas d'arriver parce que il sort pile pendant la période des vacances scolaires. Donc il n'y aura pas de travail pour les Qu'est-ce qui gamins. s'est passé ici? Améridan et ses compères ont affronté les premiers crocs d'Akon. Ils étaient bien moins nombreux, mais Améridan était déterminé. Améridan et Thelana avaient-ils une chance d'échapper aux crocs d'Akon? Et si quelqu'un d'autre avait gagné du temps? Si c'est bel et bien la tombe d'Aaron et Orina, elle n'a pu survivre que parce que les Alvar ont pris le temps de l'honorer. Du respect pour un adversaire digne, ce ne serait pas si aberrant. Bah ouais, ma foi, ouais. Que savez-vous sur Aaron? Ser Aaron faisait partie des Templiers dès la formation de l'Ordre. C'est peut-être l'un des Templiers fondateurs les plus célèbres, bien qu'il ne soit jamais passé chef. Il est surtout connu pour avoir été le confident de l'inquisiteur Améridan. Ils étaient amis d'enfance. Donc ils étaient proches, amis. Quand Améridan est devenu inquisiteur, Aaron a aussitôt rejoint sa garde rapprochée. Oui, Xavier, C'est pose ta l'auteur de question. nombreuses ballades qui parlent d'aventures et de fins heureuses. Je ne sais pas exactement où est la part de vérité là-dedans. Bah si ça t'intéresse, Quoi en Léandre, est-il? moi j'ai fait le 6, le 7, le 9, le 5, type 0, le 15, World of Final Fantasy. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Mais bon. Que pouvez-vous me dire sur Orina? Et pour le Aaron a 8, le tiré 10, son épingle du et jeu même le pour 7 attirer d'ailleurs, du hein. Il monde y a ses Pifouf plus grands qui les démons a fait. Améridan. Qui sait ce qu'il faisait là-bas? Les démons se font rares dans les tréfonds, mais ils donnaient du fil à retordre à l'Inquisition de l'époque. Orina pensait pouvoir l'aider et a donc choisi de se joindre à Améridan. Partir d'Orzammar aurait fait d'elle une surfacienne. Elle a tourné le dos à la pierre, mais il semblerait qu'elle ne l'ait jamais regretté. Certains affirment qu'elle était issue d'une famille noble d'Orzammar, mais comment le savoir? Elle n'a jamais utilisé son vrai nom à la surface, et une fois exilée, sa famille l'a certainement rayée de tous leurs documents Ah, personnels. le 13 aussi, tu as Les raison, Templiers internaute. J'ai ont fait le 13. Oh, donc comment? complété la façonnade d'Orzammar. Honte à moi, j'ai Mais oublié Final comment? Fantasy XIII. En plus, c'est l'un des jeux que je Comment? préfère. Oh, honte à moi, honte à moi. As-tu entendu parler d'un nouveau jeu qui s'appelle Temtem? Pas du tout. Non, Xavier, je connais pas. Merci, Colette. 10-2. Ah! Il est pourri le 10-2. Je l'ai fini 4-5 fois, 4-5 fois, hein, mais clairement. C'est clairement pas un jeu que j'aurais fait en stream, ça vous voyez. Donc ça y est, c'est fini? C'est fini. Bon, bah d'accord. Bon, mais dans ce cas, non, on va aller faire la faille qui est là. Après, on redescend pour s'occuper du camp. Ok. Ok, bah, je pensais qu'il y aurait un truc à explorer, une zone. D'accord. Donc c'est la tombe des compagnons du premier inquisiteur, ma foi. Un templier et une naine. D'accord. Apparemment, il y a quand même des trucs à visiter ici. Bon, ça s'ouvre, ça? Non. Évidemment. Ah, t'as jamais fait FF10-2, pif pouf? Bah, faut savoir qu'il y a plusieurs fins dans FF10-2. Et si tu veux débloquer tous les trucs, de toute façon, tu es obligé de le faire au moins deux fois. Tu peux pas débloquer tous les trucs la première partie, surtout quand tu sais pas. Mais tu es obligé de le faire au moins deux fois. Mais il y a plusieurs fins. Il y a plusieurs fins possibles. Et pour avoir la bonne fin, honnêtement, si tu sais pas ce qu'il faut faire, c'est Que chaud, des quoi. persos, Terra, Locke, Céleste, Cécile. Ouais, Cécile, j'aime bien le personnage de Cécile. On essaie de te donner envie, Léon. Vous avez plus le noyer qu'autre chose, là, j'ai l'impression. Il est où le campement? Il est en face. Là en bas, on entend des crodacones. Tiens. Bah c'est juste là en face en plus. Allez, go! Salut messieurs! C'est moi, Nathan le papillon!
Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Le petit coup de bouclier, c'était bien envoyé. Aïe. Allez Black Wolf, prends la grosse s'il te plaît. Voilà. Ah, tiens, tiens, tiens. Voilà. Alors qui ils ont eu l'aggro de qui là? Ah. Ah là-bas. Mais n'attaquez pas tous les trucs. Oh, on s'est déjà fait tuer par un sanglier la dernière fois. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Donc le campement là. Ok, parfait. Alors, du coup, là c'est quoi? Suivez la piste des flèches qui mène à une ruine antique. Ouais, on va faire ça d'abord. On va d'abord faire ça. Donc là, je me téléporte ici. On traverse tout le marais qui est là jusqu'au campement. On fait le dernier astrarium. On fait la faille. On fait cette faille là aussi. Et après, ce qu'on fera... Alors, vous m'avez dit que j'avais loupé un crâne là où il y avait le démon de l'orgueil la dernière fois. Donc je crois que c'était par là. Il me semble qu'il était par là, la faille avec le démon de l'orgueil. Donc, il faudra que j'aille voir où est-ce qu'il est. As-tu fait FF10 à 100%? Moi, oui, j'ai fait FF10 à 100% à l'époque, quand j'étais encore au collège, je crois. Oui, c'était collège, c'est ça. C'était à l'époque. Et visiblement, il y a une rivière. Genre, il fallait peut-être pas monter pour la faille. Bon, c'est pas grave. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Là, il y a encore ces trucs. Là, j'espère qu'ils nous indiqueront sur la carte où est-ce qu'ils sont tous quand il faudra les activer. Parce que clairement, je ne me souviens pas de toutes les positions des trucs. Hein. Mystère du cirque des dorsales de givre. Le mystère, c'est pourquoi on dit que c'est une zone de glace alors que regardez. Regardez, regardez. Xavier, tu as été exaucé grâce à l'aide de la commu. De quoi? J'étais déjà à la fac quand il est sorti le 10. Bah écoute, en même temps, hein, on a quelques années d'écart. Hein, Moi, je devais être en fin de collège, début lycée, je sais plus exactement. Donc la faille, elle est à ma gauche, en bas. Ouais, bah, on va pas descendre par là. Là, il y a un campement juste en dessous. Bon, on va descendre là et puis juste à ma gauche. Ok, parfait. Et j'ai pas éternué, hein, si c'est pour ça que vous mettez la fanfare. J'ai juste toussé. Hein. C'est pas pareil. Allez, Vars Doten. Il est sorti en 2014, Léandre. Aïe. Ah, FF10, FF10, c'est aucune idée. Aucune idée, je me souviens. Bon, je vais vous écouter. Voilà. Je vais mettre mon bouclier. Ah ben ça va les démons de l'orgueil là. Il y en a pas beaucoup. À peine. Qu'est-ce que c'est que cette feuille à démons de l'orgueil? Eh bien, vous savez quoi, les démons? Retournez dans le néant qui vous attend!
feuille. Voilà. La feuille niveau 3 a fait son taf. C'est bon. Voilà. Vous en avez plein les fouilles, hein? Moi? Alors, un anneau de double canine. Vous augmente les dégâts de la capacité. Une amulette d'endurance de maître. Okay. Vous êtes riche. Peut-être la Blackwood, l'amulette d'endurance. Je sais plus ce que je lui ai mis comme amulette. Ah bah oui. Voilà. Cadeau. Et à Sera peut-être l'autre. Non, la dextérité. On va lui laisser la dextérité. Ça va, 4 démons de longueur en même temps, c'est rien. Ouais. Pas grand chose. C'est pas grand chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que la merde en or, ça me manque parfois. Vous avez tout laissé, hein? Je savais que vous aviez un bon fond. Attaque surprise! Allez, messieurs! Vous étiez sur ma route! Il faut mourir maintenant! Voilà! Donc, les camps, il y en avait un sur la droite là. Il y en avait un, je préfère 4 démons de l'orgueil que 3 du désespoir. Oui, on peut voir ça comme ça aussi, effectivement. Effectivement. Alors. Attaque surprise! Ah. On va se mettre en hauteur. Allez, couchez. Ah. À nous, monsieur. Libérez ce camp. Bien joué. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh. Et j'ai pris un niveau. Parfait. Parfait, 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 parfait. Alors, je vais peut-être pouvoir améliorer mon bouclier, du coup, pour avoir un temps de recharge plus court. Les autres, pas de niveau. Ok, très bien. Donc là, voyons. Là, on est bon. Donc, il reste un camp là. Et après, il y a l'astrarium de l'autre côté. On va peut-être commencer par aller voir l'astrarium, parce que ça a l'air d'être en hauteur. Donc, je me dis qu'il faut passer par là. Quitte de mort, c'était une belle découverte, mais ensuite, ça a été la déception sur déception. Et incompréhension sur what the fuck. Ah, ça. Ça. Je pense que tous ceux qui ont vu mon let's play sur Kingdom Hearts 3 connaissent mon avis sur la question. Donc il faut aller là-haut, mais il faut sauter par là, vous croyez? Juste au cas où, hein. Du coup, je peux jouer une fois de temps en temps sur ma partie complète, ne refaire pas de nouvelle partie. Non, il faut pas sauter par là. Ouais, quoique. Bon, de toute façon, j'ai sauvegardé. On va essayer. Et ça passe. Je sais pas si c'est par là qu'il fallait passer, mais en tout cas, ça passe. Donc, l'astrarium, où est-il? Depuis Kingdom Hearts 3, j'ai essayé de penser à la licence intéressante. Je pensais que Nomura savait où il allait. Ah, mais Nomura savait très bien où il allait. C'est le problème, c'est Disney derrière hein, pour Kingdom Hearts 3.
Le problème, c'est clairement Disney. Mais de toute façon, pour moi, c'est fini. Hein, la licence, c'est fini, quoi. Je veux dire, par curiosité, je veux bien savoir qui est le maître des maîtres, mais ça s'arrête là, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Rien de particulier, juste des champignons. Bon. Il y a une elfidée, on va la prendre, hein. Il n'y a pas des éclats. Si, si, mais il faut que je trouve les crânes, d'abord. Il faut que je trouve les crânes, et apparemment j'en ai manqué un, et l'autre, je sais pas où il est, pour l'instant, on verra, mais... Mais d'abord, il nous reste un astrarium à faire, donc on va s'en occuper. Comment ça, le problème, c'était Disney? Bah, vous avez bien vu que Disney avait la main mise sur tout le développement de Kingdom Hearts 3. Alors... Oula! Oh putain! La constellation du hibou! Alors, on commence par où? Tac 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 tac. Non, là ça marche pas. Si je fais comme ça, comme ça, comme ça, tac 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 tac. Bon, attendez, attendez, parce que là je m'y perds déjà. Donc j'ai dit tac. J'essaye un truc, hein, on verra. Hein. Tac. Tac, 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 hop, 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 hop. Hop, ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tac, 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 et tac, voilà. Tu veux dire à imposer des montres qui ne servent à rien juste pour promouvoir ces séries les plus récentes? Oui, c'est ça que je veux dire, Omicron, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le trésor il est par là, dans cette direction, ici. Oh bah ça va. Alors on va prendre le camp qui est là, comme ça on se re-téléporte avec. Et après on va explorer la caverne qui est là. Ok. Donc juste à l'ouest, par là, il y a un camp. Ouais, on va éviter de tomber. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Alors, vu que les spoils de sur Kingdom Hearts, je m'en fous, c'est plutôt Fafa qui va te faire surprendre son coup. Pourquoi? Pour avoir spoilé quoi? Pourquoi je ferais subir mon courroux? À qui je fais subir mon courroux? J'ai pas suivi la conversation, hein, les gens. J'ai juste pas suivi la conversation. Ah, il y a un crâne là. D'accord, donc il y a un crâne ici, parfait. Enfin, parfait. Il est là-haut, ok. Alors, allons-y par là. Visiblement, il y a une mission ici. Bonjour. Comme dirait le président, bonjour. Non, non et non. Je ne peux pas recevoir d'invités, Bactérien. Même si vous ne venez pas du village. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Si je vous le dis, vous me laisserez tranquille. Il faut une première fois à tout. Je m'appelle Sigrid. Depuis qu'on m'a sorti que Luxueux Zach Zigbar, je n'ai même pas envie de savoir quel. Ah oui, d'accord, ok. Vous êtes exilé vous-même. Tout à fait. Et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Mais je m'en fous, hein. Je dirais, tu vis ta vie, hein, en vrai. Bon, les hippopogliers là, dégagez. Alors, où sont les éclats? Le dernier, où qu'il est le dernier.
Où qu'il est le dernier éclat? Là, ok. Donc précisément, il y en a un au camp, un là où il y a l'astrarium évidemment, un là où il y a le point de TP, donc ça va, et un tout au bout là-bas. Ok. Pourquoi je sens que celui tout au bout là-bas, il faut y aller par là? Bon, on verra. On verra, on va commencer par aller jusqu'au camp. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai rencontré une mage dans les bois qui prétend avoir été l'apprenti de l'augure. Sigrid Gulsdotten. Gulsdotten. Elle a quitté le village quand je lui ai dit de libérer son professeur. Ce n'est pas vous, son professeur? Si seulement. Elle m'aurait peut-être écouté. Ou pas. Il est temps de libérer l'esprit qui est en elle. Elle est possédée et vous n'y faites rien? Chaque mage de ce village est uni au dieu jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant. Je pensais que c'était le cas de Sigrid. L'exil, c'était son idée. Pourquoi Sigrid s'est-elle exilée? Sigrid a bâti un hôtel sur la rive pour son rite de reconnaissance, censé la séparer de son professeur. Elle affirme que son offrande aurait été rejetée par les dieux. L'esprit est resté en elle, et elle a fui en exil. Je dois y aller. Au revoir. Inspecter le site du rituel, qui est là, forcément. Bon, on va y aller. Hein. On va y aller, un petit cas de possession, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, on a quand même pas mal avancé là, je trouve. Mais ce qui m'intrigue, c'est que la dernière fois, vous m'aviez dit que j'en étais à la moitié du truc. Donc, je me demande ce qu'il reste à faire quand même. Je suis d'accord, mais quand on peut trouver maintenant, c'est à parler avec qui? Ah, bah oui, parler, ça c'est sûr. Dès que tu précises être une femme, je te dis pas sur qui tu tombes. Ah, bah ça. Ça ne m'étonne guère. C'est en bas qu'il faut que j'aille? Ouais, si, c'est en bas. Ok. Alors. On va descendre par là, ça devrait suffire. Ça a pété visiblement. Léa avait piétiné par ici. Une bagarre. Non, je vois des traces. Un animal a passé la nuit ici. Rien de bien important donc. Une fiole de lyrium. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, il faut beaucoup d'énergie pour venir à l'esprit. Dans ce cas, pourquoi la fiole est pleine? Bon, bah allons parler à Sigrid. Dans la quête principale, t'avais trouvé toutes les bouteilles de whisky? Non, il m'en manquait une, je crois. Il m'en manquait une de bouteille, il me semble. Alors, on va savoir où, hein. Tu n'as fait que l'annexe, pour l'instant, la quête principale est quand même assez longue. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, Sigrid. Ah, mais dégage, toi. Sigrid, j'arrive. Pourquoi es-tu possédé? Sigrid or not Sigrid? That is the question. Vous revoilà. L'augure m'a raconté pourquoi vous êtes ici. Quel commère! Et quel droit a-t-il raconté ça à un batérien? À propos du rituel que vous vouliez pratiquer, Sigrid.
Je devais brûler une offrande spéciale, puis libérer mon esprit gardien. J'ai fait l'offrande. Les dieux ne l'ont pas accepté. J'ai trouvé un oiseau et de l'encens près de l'autel. Ils ne sont pas brûlés du tout. J'en avais apporté plus que nécessaire. Quand j'ai pris la fuite, j'ai tout laissé sur place. Vous étiez censé utiliser le lyrium au début du rituel, pas à la fin. En effet, et alors ? La fiole que j'ai trouvée était pleine. Est-ce que vous m'accusez, étranger ? J'aimerais seulement aider un autre mage, si vous en avez besoin. Pourrez-vous me comprendre ? Il paraît que les mages des Basse-Terres voient les dieux différemment. Je n'ai fait aucune offrande. Je me suis préparée, j'ai commencé le sort pour libérer l'esprit ici, avec moi. Et ? Je n'ai pas pu. Je n'ai aucun proche au village, aucun ami. Je ne peux pas perdre mon seul ami. Cet esprit est vraiment votre ami ? Il m'a instruit, patiemment, depuis l'époque où je n'étais qu'une enfant effrayée par le feu qu'elle pouvait soudain invoquer de ses mains. Les dieux changent, et les dieux peuvent mourir. Et pourtant, je ne veux pas perdre celui qui m'aime. Alors, quel est l'avis de votre enseignant à ce sujet ? Est-ce qu'il veut rester ? Il dirait oui si je lui demandais. Les dieux qui prodiguent leur enseignement sont gentils. Je crois que l'augure le savait. Il a toujours su que je n'avais pas effectué le rituel. Ce n'est pas bien de se complaire dans la pitié. Je vais me confesser auprès de lui. Ou tu viens chez moi. Un mage avec un point de vue hors du commun serait utile à l'Inquisition. Vous et votre esprit, vous correspondez tout à fait à cela. Vous voulez que je mette mon bâton au service de votre Inquisition, alors que je suis lié à un esprit ? Ouais, pourquoi pas. Ça plairait à Solas, ça. Vous vous en sortirez très bien. C'est sans doute le châtiment que me réservent les dieux pour n'avoir pas honoré mon serment. Servir un bâtérien. C'est adapté au déshonneur qui pèse sur moi. Je vous retrouve à votre campement. Bon, ben voilà. Bonne chose de faite. Donc, on va s'occuper de ça maintenant. Après, le dernier crâne, vous m'avez dit, il est par là. Il faut que j'y aille. Parce que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Hein. Je vous le dis, les quêtes à la con comme ça, ramasser des éclats, c'est le genre de truc qui me gonfle, mais bon. Alors, c'est par là, hop. J'espère qu'il fallait descendre. On va voir. Vous allez voir qu'à tous les coups, il fallait pas descendre, hein, mais bon. Alors, une grotte. Bonjour. Encore un caniveau ? Vers l'embarcadère. Ok Alain, j'irai voir tout à l'heure. Alors, une cour délabrée. Il y a un truc à revendiquer. Visiblement, c'est pas exactement ici. Peut-être au-dessus. C'est quoi ça? Suivez la piste des flèches. Oh oui, d'accord. On verra après ça. On verra après, alors. Oh, puis si. On verra après. Je peux tenir une conversation écrite, mais pas orale. En anglais? Moi, ça dépend. Ça dépend. Fut un temps, je pouvais tenir une conversation orale sans problème. Maintenant, j'ai sûrement un peu perdu. Donc, faut voir. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il faut les éclats. Alors, on verra après. Ok. On verra après. Les vidéos d'humoristes anglais m'aident bien. Ah, ça, j'aime pas. Ça, par contre, j'aime pas. J'accroche pas, moi. Alors, on va voir un peu la carte. A priori, pas grand chose. Je vais reposer une question, mais vous êtes sûr que c'est une zone de glace ici quand même? Alors, le camp, il est où?
Alors, fais dans l'ordre que tu veux, tu vas de toute façon retraverser la jungle dans tous les sens. Oui, bah ouais, ça. Ça, j'ai bien compris, mais on n'y est pas encore. Il est où le camp? Ah, il est là. À votre manière de parler de magie, vous n'avez jamais eu d'amis mages? Si. L'inquisiteur, un ou deux autres. Ils étaient un peu bizarres, mais ça allait. Je connaissais un gars étrange à Denerim. Il allumait des feux avec ses yeux. Les Templiers ont eu vite fait de le coincer. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Et à quoi ressemblent vos cercles de... Des repas et une formation. Ah, bah. Comme ça, il meurt pas de faim et il se fait pas piétiner par la foule. J'ai vu les deux se produire. Malheureusement, vous avez raison. Allez, arrêtez de me geler, s'il vous plaît. Mais on t'affronte, mon gars, on t'affronte. Tu vas même mourir, en fait. Salut Omicron, merci d'être passé. Retournez voir le lieutenant Pharo. Alors, le lieutenant Pharo qui est là. Ok. Durant mes voyages scolaires aux USA, j'ai eu peur à chaque fois que je commandais au resto. Ah ouais? Préviens-moi si tu as besoin de quelque chose. Ça ira, merci. Inquisiteur? Les Aconites ont été chassés de la rivière. Voilà qui devrait calmer les esprits, sir. Je vais organiser des patrouilles dans la zone. Ce n'est pas la voie impériale, mais on protégera les voyageurs autant que possible. J'ai jamais mis les pieds à l'étranger, faut pouvoir partir, mais c'est une chance. Ouais, moi j'ai pas été très loin à l'étranger. Moi j'ai fait deux fois l'Italie, une fois Londres, une fois l'Espagne, et c'est tout. Ce sera tout, lieutenant. Et c'est tout. Ok, bien. Alors, tu m'as dit près de l'embarcadère, le crâne, donc plutôt par là.